C'est vraiment le sang en fait, que Vingegaard agresse sournoisement Carla Moreau. Que Vingegaard aurait-il finalement des regrets vis-à-vis de sa rupture avec Carla Moreau, alors qu'il prétendait être totalement détaché et serein à propos de sa séparation avec sa femme? Le candidat de télé-réalité s'est montré très agacé suite à son passage dans l'émission La Grosse Rigolade sur C8. Rayonnante et sublime, la jolie blonde avait été complimentée pour son glow-up et sa perte de poids, elle aurait perdu près de 10 kilos depuis sa rupture avec Vingegaard. Sûre d'elle, elle avait évoqué son futur divorce avec le père de Ruby avec humour. Prouvant ainsi qu'elle était bien en train de tourner la page de cette histoire, très compliquée. Nouvelle vie qui démarre. J'étais avec un homme et finalement il était très généreux donc ça s'est un petit peu mal passé. A-t-elle indiqué, faisant subtilement référence aux nombreuses infidélités de Vingegaard. Trop généreux, a-t-elle également ajouté avec beaucoup d'ironie avant de conclure avec le sourire, ça va. Ça se passe bien, j'ai repris ma vie de femme célibataire. Guillaumet. Style diva place holdé à 1 et à 1. 8 300px, minimum et 250px, at media screen end, minimum 8 990px, div. A place holdé à 1 et à 1, 8 620px, minimum et 350px, style. Apparemment très en colère de constater que son ex semble reprendre sa vie en main. Que Vingegaard a reposté ce passage précis de l'émission dans sa story en ajoutant une pique toute particulière à son attention, c'est vraiment le sang en fait. Pour rappel, que Vingegaard avait fait le buzz il y a quelques semaines après avoir dit à sa femme qu'elle était le sang alors qu'elle venait d'annoncer leur rupture. Un surnom très particulier pour celle qui était censée être la femme de sa vie et qui était un manque de respect clair pour beaucoup d'internautes. C'est pas un manque de respect, quand les choses se passent bien. C'est la mère de ma fille. Je ne veux pas lui manquer de respect. Donc tes allusions tu peux te les effacer, ça c'est un manque de respect. Avait-il par la suite expliqué dans sa story, en répondant à une abonnée qui s'était insurgée de ce surnom très étrange. Avec cette nouvelle publication, il semble pourtant que ce surnom était bel et bien un manque de respect vis-à-vis de Carla. Amer, il ajoute, ça la rend belle d'être heureuse grâce à des points. Une phrase difficile à décrypter, dont seul Vingegaard a le secret.